instrument qu'on a utilisé, mais instrument ça en lien avec investissement qui t'a supposé réaliser dans le pays. Donc le ça, ça a vendu un coup crédit à augmenter, qui a découragé l'investissement, donc il même choisi faire injection pour l'augmenter hors dollars sur le marché. Donc nous-mêmes, par rapport à BNDA, donc Banque SAA, Banque Nationale de Développement Agricole, c'est une banque qui sous tutelle le ministère de l'Économie et des Finances. Donc il y a des dispositions qui prennent déjà. Et dans le budget que nous avons adopté pour l'exercice 2020-2021, il y a un montant qui est assez considérable qui est à disposition de Banque SAA. Et nous pensons, et dans les premiers jours de l'année civile 2021, on a commencé à sentir banque-là parce qu'il y a une disposition qu'on prend pour ouvrir des guichets dans les bureaux et communaux agricoles. C'est là qu'on va commencer de manière à ce qu'il y aura un crédit disponible sur tout le territoire national.